CRISPR Cas9. Bring me a gene encoding for a specific protein. Make a few snips at this coded locus. You work so well inside a streptococcus. Cas9, I'm so alone without your scissors in my chromosome. Cut me up and do it clean. CRISPR Cas9, bring me a gene. Scientists, hope you learned some cool things about CRISPR and the frontiers of gene editing in this video. If you're still a little confused, I made a playlist of other YouTube videos exploring the topic, so go watch that. If you want a taste of what goes into making an arrangement like this, I've put an accompanying video on Acapella Science 2. It's about a 20-minute in-depth view where I explode one section of the song and I go through it, and you can really see what all the different voices are doing. Bonjour à tous. Bonjour à tout le monde.
Bienvenue sur la cinquième animation live du Confine ta science. Donc, pour rappel, ce sont les animations confinées de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, le lieu de culture scientifique de l'ESPCI Paris. Et aujourd'hui, cette semaine, on est dans la semaine du vivant. Et avec Paul, on vous a préparé une petite animation sur l'ADN. Et on espère que vous avez préparé chez vous tout le matériel qu'on vous a envoyé par mail pour pouvoir faire une petite extraction d'ADN. Ça va être en direct, super. En live avec nous. Si jamais vous n'arrivez pas à la faire là en live avec nous, ce n'est pas non plus un drame. Hein. Vous pourrez le refaire après n'importe quand. Il n'y a pas besoin qu'on soit en live en même temps pour le faire. Mais ça sera l'occasion de faire tous ensemble. Voilà. Alors, on va parler d'ADN. On va faire l'expérience. Ensuite, à la fin de l'animation, on accueillera Théo qui travaille dans un laboratoire et qui est en thèse et qui extrait de l'ADN au laboratoire. Donc, on pourra un petit peu comparer les différents process. Mais avant ça, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, ce que vous attendez tous, on va mettre au point quelques petites règles. D'abord, les règles de communication avec nous. Il y en a qui ont un compte Twitch et donc qui peuvent communiquer avec nous via le live. Via le chat qui est juste à droite, donc n'hésitez pas si vous avez des réactions, des remarques. Par contre, on va essayer juste de rester courtois et surtout d'essayer d'utiliser le chat pour réagir à la vidéo, pour réagir à ce qui se passe, et en essayant d'éviter ce qui pourrait être inutile et surtout ce qui pourrait nous empêcher de lire toutes vos questions et toutes vos remarques, parce que si ça va trop vite, nous on est un peu débordés, ça devient n'importe quoi. S'il y en a qui font un peu n'importe quoi, vous serez contacté par message privé par le compte Confine ta science. Ce sera une sorte de petit avertissement. Voilà. Par contre, du coup, si vous n'avez pas de compte Twitch, vous pouvez aussi communiquer avec nous par email. Donc, l'adresse mail, c'est confinetascience@gmail.com. Et donc, on a des collègues qui sont impliqués et qui suivent tout ce qui se passe sur l'adresse mail et qui peuvent nous balancer vos messages, nous les retransmettre. Donc, n'hésitez pas. Pour présenter un petit peu plus l'équipe, alors moi, c'est Clémentine, c'est écrit au-dessus de mon nom, de ma tête. À côté de moi, il y a Paul, c'est mon nom. Voilà. Ensuite, vous avez mes chats derrière moi. Ils risquent de passer pendant l'animation. Essayez de ne pas trop vous informer. Enfin, voilà. Ils sont là, on est confinés tous ensemble, hein, n'est-ce pas ? Donc, c'est comme ça. La personne qui gère la technique, c'est le super Arnaud. Donc, c'est grâce à lui que vous nous voyez, que vous nous entendez, que vous allez voir des choses apparaître au fur et à mesure. Donc, c'est super. Et ensuite, dans les commentaires, on a Maxime et Pania qui vous répondent, aident la technique. Voilà, donc on est tous les cinq avec vous. Voilà, si vous avez des problèmes techniques, n'hésitez absolument pas à les partager sur le chat. Comme ça, Maxime et Pania pourront essayer de les régler avec vous dans la mesure du possible. Ou à nous envoyer un mail vraiment pour nous dire que vous avez un problème. Et si c'est des questions qui ne sont pas sur la technique et des questions qui sont sur le contenu de l'animation, etc., bonjour, n'hésitez pas pareil à les mettre sur le chat ou à nous les envoyer par mail et dans la mesure du possible, on y répondra, bien sûr. Voilà, je pense qu'on a fait un peu le tour de tout ce qu'on avait à dire. On va pouvoir commencer. Peut-être juste une dernière chose à dire vraiment pour finir de se présenter, nous. Clémentine vous a donné nos prénoms, mais vous a pas forcément dit qui on était concrètement. Alors, vous savez qu'on travaille à l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes. Le nom de notre métier, c'est qu'on est tous les deux des médiateurs scientifiques. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on n'est pas des chercheurs, on n'est pas des chercheuses, on n'est pas des profs, on n'est pas des instituteurs ou quoi que ce soit. Ce qui veut dire qu'on n'est pas des experts. On peut parler de tout et de n'importe quoi en science, c'est notre métier. On peut être amené à vraiment faire de n'importe quelle science. Le point commun entre tout ce qu'on fait, c'est qu'on fait des choses avec du public, comme ce qu'on est en train de faire là maintenant. Mais donc, on n'est pas des experts et donc on n'est pas non plus des experts en ADN. Donc, tout ce qu'on va vous raconter, c'est des choses qu'on a cherchées, qu'on a regardées sur Internet, qu'on a demandées à droite, à gauche. On a parlé à des chercheurs de partout, des chercheurs de l'ESPCI. On a demandé... On a lu des articles, on a regardé des vidéos, on a regardé plein de choses qu'on va vous partager à la fin de cette animation, si vous voulez un peu voir où est-ce qu'on s'est renseigné. Et voilà ce que je voulais vous raconter. Mais donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Juste, si jamais on ne sait pas répondre, ben on vous dira qu'on ne sait pas. Et c'est normal parce que nous aussi, on essaie d'apprendre plein de choses. On va vous partager ce qu'on a trouvé, en tout cas.
Et si vous avez des questions, peut-être qui pourraient attendre la fin, il y aura Théo, donc, qui est chercheur et qui pourra peut-être répondre à plus de questions que nous aussi. Donc, il faudra être un petit peu patient, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions quand même. Et ben, c'est parti, on va se lancer dans l'animation. Donc, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, on rappelle le menu du jour. On va d'abord commencer par discuter de ce que c'est l'ADN entre nous, voir ce que vous pensez, et nous, on va voir comment on veut compléter. On va faire ensemble une manipulation que vous pourrez aussi faire chez vous pour extraire, moi je vais extraire mon ADN en direct devant vous, et vous pourrez le faire chez vous, et on pourra peut-être même essayer de partager les résultats. Et moi, je vous expliquerai ce que Paul fait. Voilà. Et une fois qu'on aura fait cette manipulation, on en discutera et on va voir Théo qui travaille dans un laboratoire et qui peut être amené à lui aussi faire de l'extraction d'ADN, mais peut-être de façon un peu plus professionnelle que ce qu'on va faire. Et donc, on pourra aussi discuter des différences qu'il y a entre ce que nous, on vient de faire et ce que lui pourrait être amené à faire ou ses collègues en laboratoire. Donc, on n'est que 38 maintenant. On était 36, mais on est 38, ça monte. Écoutez, c'est très bien qu'on soit déjà 38, ça fait déjà pas mal de monde à gérer. Alors, on va commencer. On va parler aujourd'hui d'ADN et je vais commencer peut-être en me posant une question toute bête. Puisqu'on doit parler d'ADN, on va essayer de définir ce dont on va parler. Qu'est-ce que c'est l'ADN? Et là, je vous propose de nous envoyer par mail ou dans le chat vos propositions. C'est quoi l'ADN? Est-ce que vous savez ce que c'est? Donc, en attendant, on peut dire blanc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bonjour. Donc, on vous avait posé une question. Et la question, c'est qu'est-ce que c'est que l'ADN? L'ADN, alors il y a Isem9 qui nous dit c'est l'ADN. C'est une bonne réponse, hein, c'est vrai. Mais est-ce qu'on pourrait être plus précis? Du coup, ça représente quoi? Ça a quoi de spécial? L'AIREI, je nous dis, c'est un matériel génétique. On nous dit, Polynum nous dit c'est une carte d'identité, Pimous nous dit ATTG, très bien, donc on nous donne des lettres, Vincent nous dit l'ADN, c'est un peu des molécules, Illusion nous dit c'est quelque chose qui nous est transmis, Marco Polo nous dit c'est les gènes, notre carte d'identité génétique c'est quelque chose qui nous est transmis par nos parents, c'est le patrimoine génétique d'un être vivant, c'est un acide, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et qui sont très vraies. On va pouvoir les remettre un peu en ordre à la fin. C'est un code. OK, donc si je résume un peu tout ce que vous venez de nous dire, vous nous avez dit que l'ADN, c'est quelque chose. Donc c'est une carte, c'est un code, c'est quelque chose comme une carte d'identité génétique, c'est quelque chose qui nous définit. Et vous nous avez dit aussi, vous avez beaucoup parlé de matériel génétique, de gènes. Molécules aussi. Hein. D'acides, de molécules, qu'on les trouve dans les cellules vivantes. Et il y a quelqu'un qui nous dit un truc, il y a plein de lettres, je ne sais plus, voilà, il y a plein de lettres dans tous les sens. Très bien, alors je vais remettre un peu tout ça dans l'ordre. Vous avez raison, hein, tout ce que vous avez dit. L'ADN, c'est quelque chose qu'on retrouve chez tous les êtres vivants. C'est même un point commun qu'on peut avoir en tête quand on parle de tous les êtres vivants. Tous les êtres vivants ont de l'ADN quelque part à l'intérieur d'eux. Qu'est-ce que c'est? C'est des longues molécules, très longues molécules. Par exemple, si on prend, qu'on trouve dans les cellules, si on prenait l'ADN d'une de nos cellules, si vous prenez moi, là, moi, vous me piquez une cellule, vous récupérez une cellule, d'une façon ou d'une autre, vous arrivez à sortir tout l'ADN qu'il y a dans la cellule, et ben vous pouvez faire un filament long de 2 mètres. Dans une de mes toutes petites cellules, il y a des longues molécules, il y en a plein, ça fait 2 mètres si on les déroule. C'est des très très longues molécules sous forme de filaments, et si vous prenez même toutes les molécules d'ADN qu'il y a à l'intérieur de moi, d'après ce que j'ai trouvé sur Internet et les sources, on pourra vous les envoyer après, ça fait des filaments, si on les met bout à bout de molécules d'ADN, si vous prenez tout mon ADN, vous le mettez bout à bout, ça fait 20 milliards de kilomètres. Donc ça fait beaucoup, hein. C'est vraiment un truc très long qui est tout embobiné à l'intérieur de nous. Pendant ce temps-là, les réponses continuent à affluer. Vous nous dites que chaque être vivant a un ADN différent et qu'il y a aussi des êtres vivants à ARN. Alors, je ne vais pas parler d'ARN parce que ça va être quelque chose que je n'ai pas spécialement préparé, mais vous pourrez poser des questions sur l'ARN à la fin de l'animation
à Théo, peut-être qu'il pourra répondre et vous donner plus de précisions, ou peut-être qu'il vous dira non, mais on pourra dans tous les cas vous donner des sources pour essayer d'aller plus loin si ça vous intéresse. En tout cas, c'est vrai, tous les êtres vivants ont un ADN différent. Cette molécule d'ADN, dessus, il y a les informations génétiques, comme vous avez dit. Donc, c'est-à-dire plein d'informations qui sont codées. En gros, la formule chimique de la molécule, c'est un code qui donne les informations propres à chaque être vivant. Nous, on a du coup tous une molécule d'ADN. Moi, toutes mes cellules ont des molécules d'ADN qui sont identiques, c'est les mêmes, c'est mon code à moi. Clémentine n'a pas des cheveux de la même couleur que moi, et c'est, je crois, naturel, c'est pas forcément une coloration, ni elle ni moi, mais après tout, je n'en sais rien. Elle n'a pas forcément les yeux de la même couleur, elle n'est pas du même sexe que moi je suis un homme et elle, c'est une femme. Tout ça, c'est des différences qui sont codées dans nos molécules d'ADN. Donc moi, si on regardait ma molécule d'ADN, on verrait pas le même code que chez elle. Par contre, on a aussi beaucoup de points communs. Dans ma molécule d'ADN, il y a codé que j'ai deux jambes, que j'ai deux yeux, que je suis un être humain, qu'il y a les cheveux qui sont là et pas, j'en sais rien moi, ailleurs. Ça, c'est des points communs qu'on a dans notre code d'ADN, dans notre code sur nos molécules d'ADN. Donc si on regardait ce qui code ça sur nos molécules, on verrait que c'est écrit pareil. Donc en tout cas, les molécules d'ADN, ce qu'il y a à retenir, c'est que c'est une très très longue molécule qui code les informations qui sont propres à chaque être vivant. Est-ce que pendant ce temps-là, vous avez... Donc il y a Louise qui nous dit qu'elle a modifié sa couleur. C'est bien, alors tu as modifié la couleur de tes cheveux, mais tu n'as pas modifié ton ADN, parce que tu produis sûrement toujours des cheveux qui sont de la même couleur. On nous dit quoi d'autre ? On nous parle de croisement de tomates, parce que oui, c'est vrai que les tomates aussi ont de l'ADN. Les tomates aussi, dans les molécules d'ADN qu'on pouvait retrouver, il y a des informations qui sont codées, qui disent la forme des feuilles, la taille des fruits, la couleur des fruits, etc. etc. Je me demande si les jumeaux ont le même ADN, c'est une question de Pimous 1976. Alors ça dépend. Ça dépend des jumeaux. Les jumeaux qui sont ce qu'on appelle les vrais jumeaux, qui naissent en étant complètement identiques, qui se ressemblent vraiment beaucoup, beaucoup, ce sont effectivement des jumeaux qui partagent le même ADN. Par contre, ce qu'on appelle des faux jumeaux, d'ailleurs, des fois, on peut avoir des jumeaux, il y en a un, c'est un garçon, et l'autre, c'est une fille. Bon, du coup, forcément, ils n'ont pas le même ADN, parce que sinon, il ne pourrait pas y avoir un garçon et une fille. Les faux jumeaux ne partagent pas le même ADN, les vrais jumeaux partagent le même ADN. Et du coup, c'est intéressant, parce qu'on peut voir que les vrais jumeaux se ressemblent vraiment beaucoup, puisqu'ils ont le même code génétique, ils ont les mêmes molécules d'ADN, ils ont le même code. Mais par contre, ils peuvent avoir des petites différences. Des fois, il y en a un qui peut devenir un peu plus grand que l'autre. Des fois, il y en a un qui n'a pas le même caractère que l'autre. Des fois, ça montre que l'ADN, ça ne code pas non plus tout ce qui vous arrive dans la vie et comment vous interagissez avec votre environnement extérieur. Ça influence aussi comment vous allez évoluer. Donc l'ADN, ça ne code pas tout à 100% non plus. Mais c'est vraiment les informations de base. Et comme le dit Leiriège, effectivement, on appelle des jumeaux monozygotes, les jumeaux qui ont le même ADN parce qu'ils viennent du même œuf à l'origine qui s'est divisé en deux. Et donc effectivement, c'est le nom qu'on donne aux vrais jumeaux qui ont le même ADN. Et les jumeaux qui n'ont pas le même ADN, on les appelle comment si on ne dit pas monozygote ? Dizygote ? Dizygote ? Je me pose la question. Ce n'est pas une certitude, donc peut-être que c'est une information à vérifier. Si quelqu'un le sait, mettez-le dans le chat, c'est bien, comme ça on pourra le redire à haute voix. Mais c'est vrai que je ne sais pas comment c'est l'équivalent de monozygote pour des faux jumeaux. Hétérozygote dans le chat, et ça me dit quelque chose, donc c'est potentiellement le bon mot. Exactement. Alors, maintenant qu'on a un peu plus parlé de ce que c'était l'ADN, pour comprendre un peu plus la manip qu'on va faire tout à l'heure, j'aimerais vous poser à mon tour une question. Ça se trouve où l'ADN ? Où est-ce que c'est l'ADN ? Il y en a qui ont déjà un petit peu répondu tout à l'heure. Clara Massin qui dit que tu as intérêt à la croire, Paul. Les légumes sont tous différents, comme par exemple les courgettes. Exactement, les espèces de légumes ont aussi de l'ADN, de l'ADN différent. Est-ce qu'il y en a qui ont commencé à répondre à mes questions ? Où est-ce qu'on trouve l'ADN ? C'est où l'ADN ? Bonne question, ça. Alors, dans le noyau des cellules, dans les cellules, nous disent HPUCF1 et Illusion. Effectivement, on va attendre peut-être qu'il y ait d'autres réponses. Dans le noyau de la cellule, dans les cellules, ok. Alors, il y a plein de réponses sur la cellule, le noyau des cellules, mais c'est quoi une cellule en fait ? Est-ce qu'il y en a qui peuvent me dire ce que c'est une cellule ?
parce que bah, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, mais j'ai un petit peu creusé la question, mais peut-être que vous savez, vous, ce que c'est une cellule, et vous pouvez nous le dire, en tout cas nous donner ce que vous pensez être une cellule. Alors Louise, tu ne sais pas, eh ben ça tombe bien, hein. On va répondre à cette question. Ah, alors il y a même y a plusieurs réponses dans la localisation de l'ADN. On me dit soit dans le noyau des cellules, comme Isème9, et il y a Vincent qui me dit dans les parois des cellules. Ben, on va voir ça un peu plus loin. Alors, on le trouve partout dans le corps. Et ah, on commence à avoir les premières réponses pour qu'est-ce que c'est une cellule. Une cellule, c'est une unité vivante. Ok, alors une cellule, c'est composé de cytoplasme, de noyau et d'une membrane. D'accord. On a un débat sur hétérozygote, dizygote. Ah, d'ailleurs, on a une précision. Apparemment, ce serait bien dizygote le terme. Mais revenons à la cellule. Une minuscule partie de son corps. La plus petite partie d'un être vivant, nous dit H-Pux. Pimous, qui nous dit c'est une brique vivante. Une cellule, c'est une paroi avec à l'intérieur un noyau. Ouais, ben en fait, tout ce que vous me dites, c'est vrai. Vous avez tous soit complètement raison, soit raison pour des petits bouts. Et j'ai décidé de faire un petit peu comme Jamy, je ne sais pas si vous connaissez Jamy de C'est pas sorcier, qui aime bien faire des maquettes. Et moi aussi, j'ai fait une maquette. Alors, c'est une maquette toute simple, hein. J'ai pris un ballon pour représenter ce que c'était une cellule. Vous l'avez dit, une cellule. Ouais, je me mets là pour que vous voyez un petit peu mieux. Une cellule, c'est une minuscule partie d'un être vivant. Alors, plus spécifiquement, c'est la plus petite brique élémentaire du vivant. C'est-à-dire qu'un être vivant est composé d'une cellule, soit d'une seule, soit de plusieurs êtres vivants, soit de plusieurs cellules. D'accord? Nous, les humains, on est composés de milliards et de milliards de cellules qui sont collées ensemble et qui peuvent. Et qui ensemble constituent notre organisme, d'accord? Une cellule, souvent, on le représente comme une boule, voilà. La boule, elle est représentée par mon ballon. Et si vous voyez à l'intérieur de mon ballon, qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai mis? Je peux même le secouer, ça se balade à l'intérieur. Est-ce qu'il y en a qui voient ce que j'ai mis à l'intérieur de mon ballon? Vous Est-ce que pouvez répondre dans vous le voyez? chat si vous voyez. Si vous voyez, est-ce que vous voyez? Ça se secoue un petit peu pareil. Par Un autre contre, ballon, on nous dit. un autre ballon, exactement. Et j'ai mis un autre ballon à l'intérieur de mon ballon. Et ça, c'est pour représenter le noyau des cellules. Vous m'avez dit, l'ADN, c'est dans le noyau des cellules tout à l'heure. Effectivement, les êtres vivants, les humains, qui sont composés de milliards et de milliards de cellules, sont composés donc de milliards et de milliards de boules comme ça. Certaines n'ont pas la forme de boule, il y en a qui ont des formes un petit peu différentes. Mais ce qu'ils ont en commun, c'est que toutes ces cellules ont à l'extérieur quelque chose qui les protège et qu'on appelle une membrane, d'accord? Une paroi qui là est représentée par bah, mon ballon complètement. Si j'appuie un petit peu dessus, il se déforme. Je ne peux pas trop faire rentrer des choses à l'intérieur. Les choses qui sont à l'intérieur ne peuvent pas trop sortir. Cette membrane. Oui, je m'amuse bien pour répondre à l'illusion. Cette membrane, eh ben, elle protège la cellule. D'accord? Et à l'intérieur de la cellule, il y a plein d'éléments qui vont permettre de maintenir la vie, de créer la vie, d'avoir des réactions chimiques qui vont permettre à notre organisme d'être vivant, d'assurer sa fonction. Et à l'intérieur, du coup, il y a une autre membrane qui ressemble à une petite cellule à l'intérieur de la grande cellule. C'est mon petit ballon qui est vert, là, et qui se balade. Il faut imaginer que dans les cellules, ce ballon, il est un petit peu n'importe où à l'intérieur de la cellule. En fonction des cellules, il est plutôt au milieu ou plutôt un peu d'un côté. Mais il est dans un liquide qui est à l'intérieur de la cellule. Il peut parfois changer de place. Et il a aussi à l'intérieur, le noyau, une membrane qui le protège. Là, c'est un deuxième ballon. Donc on peut imaginer que mon ballon. La membrane qui protège le noyau à l'intérieur, c'est comme la membrane qui protège le ballon à l'extérieur, sauf qu'il y a des petits éléments qui sont un petit peu différents. C'est pour ça que mes ballons ils sont de deux couleurs différentes. Mais globalement, chimiquement, c'est du gras, de l'huile. Et donc, on a de l'huile à l'extérieur, des molécules grasses qui constituent la membrane et qui protègent du coup le noyau à l'intérieur et le noyau va protéger lui-même, grâce à sa membrane, l'ADN qui est dans le noyau. Donc, vous voyez, on a tout un tas d'étapes de protection de l'ADN
Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, l'ADN, c'est ce qui va définir l'identité génétique, les caractères d'un individu. Et du coup, il est important pour un organisme de protéger son ADN et de protéger cette information génétique pour qu'elle ne soit pas trop accessible et qu'elle ne soit pas trop facilement abîmable. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions que j'aurais oubliées pendant mon explication. On nous demande, que se passe-t-il si on casse la membrane extérieure de la cellule ? Et ça, je pense que c'est une question qu'on va garder pour la suite de cette animation, parce que, je vais quand même le dire, c'est ce qu'on va faire. On va pas tarder à casser des membranes extérieures de cellules et on va regarder ce qui se passe, justement. Mais de vraies cellules. Alors, j'en dis pas encore plus, mais vous verrez. On nous demande, que se passe-t-il si... Blablabla, on nous demande ce qu'il y a dans l'ADN. Ah, c'est une très bonne question, ce qu'il y a dans l'ADN. Est-ce qu'il y en a qui connaissent, qui ont ce que ça veut dire ADN vraiment, littéralement ? Qu'est-ce que c'est littéralement ADN ? Parce que c'est un raccourci d'un mot qui est beaucoup plus... C'est trois lettres, donc c'est forcément l'acronyme de quelque chose, mais est-ce que vous savez de quoi ? Parce que ce nom-là, il nous donne acide désoxyribonucléique. Oui, exactement. Eh bien, en fait, ce nom... acide désoxyribonucléique, l'ADN, en fait, ça nous dit exactement de quoi est composé l'ADN. Et c'est les noms des molécules, souvent, elles sont faites comme ça pour nous donner une indication de comment elles sont fabriquées et de quoi elles sont constituées. Donc, l'acide désoxyribonucléique, pour l'ADN, ça veut dire grosso modo que on parle d'une molécule qui est acide, donc qui pourrait avoir les mêmes caractéristiques chimiques que du vinaigre ou du citron. Désoxyribo, parce qu'en fait, désoxyribose, ça veut dire que dans l'ADN, il y a une petite molécule qui ressemble à un sucre, à une molécule sucrée, qu'on appelle le désoxyribose. Donc, c'est une toute petite molécule qui a ce nom, désoxyribose. Et nucléique, parce que ça se situe dans le noyau. Donc, l'acide désoxyribonucléique, ça nous donne la composition chimique. On a un acide qui a une partie de sa molécule qui est des désoxyriboses. Et ça se trouve dans le noyau des cellules. On nous demande, on a de l'acide dans notre corps. Eh bien, du coup, oui. Par exemple, l'ADN, c'est une molécule qui est acide. Alors, c'est pas un acide très, très fort qui, du coup, va faire fondre le reste de ton corps. Sinon, en plus, t'es mort. Mais oui, on a des molécules acides dans notre corps. C'est pas forcément grave quand quelque chose est acide. Donc, on va résumer un peu tout ce qu'on vient de dire avant de passer, parce que je vois qu'il y a des gens qui s'impatientent dans le chat, qui sont prêts à passer à l'expérience. Oui, on passe à l'expérience dans quelque chose comme 2 minutes. Et d'ici là, juste pour les personnes qui viennent de nous rejoindre, donc là, on va pas tarder à faire une extraction d'ADN, une vraie expérience. On va faire devant vous, et vous pourrez faire avec nous si vous avez le matériel qu'on vous a envoyé au préalable par email pour les personnes qui ont réservé. Donc, pour résumer, ce qu'on vient de dire, l'ADN, c'est une molécule très longue, comme un grand fil, qui se trouve dans les cellules de notre corps, et même à l'intérieur de ces cellules, elles sont dans une partie de la cellule qu'on appelle le noyau. Et la cellule, elle est délimitée par une membrane qui est faite de gras, et le noyau aussi est délimité par une membrane qui est faite de gras. Donc, c'est pareil, on a du gras dans notre corps, par exemple, ce sont toutes les membranes de toutes vos cellules, et ça n'est pas grave non plus, c'est normal. Donc, on va passer à une expérience. Moi, je vais la faire, donc je vais quasiment rien dire. Je vais la faire devant vous. Clémentine va vous l'expliquer, va vous dire tout le processus. Et si vous avez préparé ou si vous n'avez pas préparé, mais que vous avez chez vous le matériel que Clémentine va vous citer, ça va être l'occasion de le faire en même temps que nous. Juste une petite précision. Ouais. Ça peut être salissant. Donc, ça peut être pas mal si les enfants de moins de 10 ans, sont accompagnés d'adultes pour ne pas tout renverser partout. Ou en tout cas, comme ça, s'ils renversent tout partout, c'est pas parce qu'ils étaient tout seuls. Et on va aussi utiliser de l'alcool à brûler, de l'alcool ménager. Ça peut pas sentir bon, ça peut piquer les yeux si on s'en met dans les yeux. C'est pareil, c'est bien si les enfants sont supervisés. Voilà. Autre chose, comme vous êtes devant votre ordinateur et qu'on va utiliser des liquides, peut-être que ça peut être pas mal de protéger votre clavier d'ordinateur avec un torchon par-dessus au cas où il y a une petite catastrophe, ou de l'éloigner tout simplement parce que vous en aurez moins besoin pendant la manip. Si vous voulez quand même nous poser des questions pendant qu'on l'a fait, n'hésitez pas à mettre votre clavier de côté et à le protéger par un petit torchon pour éviter. Voilà, Paul, il sort tout son attirail. Comme vous pouvez le voir, je suis en train de barricader tout mon ordinateur par des serviettes. Hop,
Voilà. Et je n'ai rien à me mettre pour protéger mes vêtements, donc je serai comme ça. Mais si chez vous, vous avez un t-shirt, une veste, une blouse, un truc, c'est pas grave si c'est sali, mettez-le. Moi, c'est ça. De toute façon, ça fait 2 semaines que je le mets, donc je le mettrai au sale en fin de journée si jamais je me sale. Alors, on espère que ce petit laps de temps vous a donné l'occasion d'aller chercher tout le matériel. Je vais récapituler ce dont vous avez besoin et qu'on va vous montrer au fur et à mesure. Donc, l'élément essentiel, ça va être un récipient transparent. Donc, idéalement, un verre un petit peu fin et qui a un petit peu de volume. Alors, Polly vous montre un verre normal. Si vous avez chez vous un petit verre comme ça, par exemple, un petit verre pour boire le digestif à la fin du repas, c'est idéal parce que du coup, ça vous permettra d'utiliser moins de produits et on verra quand même très bien ce qui se passe dans votre verre. Mais si vous n'avez pas ça, un verre normal, c'est très bien. Voilà, moi, c'était le verre le plus fin que j'avais chez moi. C'est pas un drame. Si vous avez vraiment un verre qui ressemble à un vrai verre comme ça, l'expérience marchera très bien. C'est juste que plus le verre est fin, moins on a besoin d'utiliser beaucoup d'ingrédients dans l'expérience. Donc, plus c'est facile. Alors, pour continuer, vous aurez besoin de produits vaisselle. Donc ça, j'imagine que tout le monde a ça chez soi. Le produit vaisselle tout simple, hein, peu importe s'il est coloré, s'il est blanc, hop, du produit vaisselle, du savon, en fait, du savon liquide. C'est ce dont il vous faut. On nous demande par mail si ça marche aussi avec du savon qui n'est pas du produit vaisselle, qui est vraiment juste du savon pour se laver. Je pense que oui. On n'a jamais essayé, ça sera l'occasion de tester, mais normalement, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas avec un savon, même un bout de savon de Marseille que vous grattez. Oui, il faudra, si c'est du savon de Marseille solide, il faudra bien prendre le temps qu'il se mélange bien à l'eau et qu'il se dissolve dans l'eau. Ensuite, vous allez avoir besoin d'un outil pour mélanger. Alors, l'idéal, c'est un truc tout fin, un pic à brochette, mais sinon, si vous avez une petite cuillère, l'arrière de la petite cuillère, hop, c'est voilà. Idéal. Dans mon verre, la grosse partie passe, mais si jamais vous n'avez qu'un petit verre, vous pouvez faire ça. Voilà. Ensuite, pour l'alcool, oui, il y a une pincée de sel, ça c'est tout simple. Et on a plein de questions pour l'alcool. Oui, alors l'alcool. L'idéal, c'est de l'alcool qui est le plus concentré possible, donc il y a le plus d'alcool possible dedans. Donc l'alcool à brûler à 90 ou l'alcool ménager à 70, 70 degrés, tout ça c'est idéal. Par contre, oui, il y en a qui posent la question, est-ce que la vodka, ça marche, ou le rhum blanc? Si vous n'avez pas ça chez vous, mais que vous avez du rhum ou de la vodka, idéalement, c'est mieux si c'est transparent. Alors, les enfants, faites ça accompagnés de vos parents, surtout, avec leur accord. Mais ça marche, effectivement, avec un alcool transparent le plus concentré possible. D'accord. Pour la question de Delsera, les ingrédients, normalement, ils apparaissent sur votre écran. J'ai la liste apparaît sur l'écran. Donc, normalement, vous devriez les voir, même sans avoir besoin de retrouver le mail. Donc, voilà. Donc, pour les questions sur la vodka ou le rhum, ça marche. L'alcool médical, quelqu'un a demandé si l'alcool médical, ça marchait. Ça marche pareil. Si c'est concentré à plus de 50% ou plus de 40%, ça devrait marcher. Exactement. Là, normalement, vous êtes bon avec vos ingrédients. On va peut-être vous laisser... Oui, et le sel, donc j'ai le pas mal... Le sel, parce qu'il va y avoir besoin d'un peu de sel. Et quelque chose qui peut être pas mal aussi, et que j'ai oublié, donc du coup, je vais devoir partir, m'en servir, mais un verre d'eau pour se rincer la bouche, ça peut être pas mal. Ouais. Du coup, je vais chercher... N'hésitez pas si vous avez besoin d'un verre d'eau. Le temps que Paul aille chercher son matériel, allez-y, vous aussi. Alors, on me demande, Mirabelle me demande si ça marche avec le SHA. Alors, je ne sais pas ce que c'est le SHA. Est-ce qu'il y a de l'alcool dans le SHA? Qu'est-ce que c'est le SHA? Si vous pouvez nous préciser. Solution hydroalcoolique. Alors, est-ce que ça pourrait marcher avec une solution hydroalcoolique? Je ne sais pas. J'ai un peu envie de dire que la seule façon de savoir, c'est d'essayer. Ouais. Et vous verrez à la fin. En fait, c'est ça. Vous verrez... Là, on va vous donner le protocole. Faites avec les ingrédients que vous avez chez vous. Et si ça marche, eh ben, on pourra aussi dire que ça marche avec le gel hydroalcoolique. Si ça ne marche pas, eh ben, écoutez, vous aurez essayé et vous aurez au moins testé le protocole. Et puis, vous réessayerez une prochaine fois si vous avez de l'alcool chez vous. Alors, on commence. Est-ce que c'est bon? J'ai l'impression que dans les commentaires,
Ça va. Normalement, si on fait ça avec les personnes avec qui on est confiné pour le coronavirus, il n'y a pas de souci. On me dit prêt. Ah, super. Est-ce que d'autres personnes sont prêtes? On va. Pour qu'on commence. Paul est prêt. Super. Bon, écoutez, je vous propose. Alors, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais donner les instructions et Paul va les réaliser. Donc, comme vous, il va faire à peu près comme chez vous. Pour la première étape, Paul, c'est mieux qu'on voit ta tête. Hein. Ouais. Alors, la première étape, c'est que vous l'avez compris, on va extraire notre propre ADN. Vous allez extraire votre propre ADN, l'ADN qui vient de chez vous. Et du coup, bah, pour ça, il va falloir récupérer des cellules. Vous êtes d'accord? L'ADN, on l'a dit, c'est dans les cellules et même dans le noyau des cellules. Donc, il va falloir qu'on récupère des cellules. La manière la plus simple pour récupérer des cellules avec de l'ADN dedans, avec beaucoup d'ADN dedans, bah, en fait, c'est ce qu'il y a dans notre bouche. C'est tout simplement notre salive. Parce que dans notre salive, il y a de l'ADN. Mais on ne va pas se contenter de cracher dans le verre. En fait, avant ça, on va essayer de récupérer un maximum de cellules. Et pour ça, on va venir gentiment se gratter l'intérieur de la bouche avec les dents, sans se mordre, hein. L'idée, c'est pas vraiment de se blesser, mais voilà, avec vos dents, vous allez venir décoller doucement les cellules de l'intérieur de vos joues. Attention, l'idée, c'est pas d'avaler la salive. Là, l'objectif, c'est d'essayer de récupérer le maximum de cellules possible et le maximum d'ADN possible. Alors, vous allez gratter l'intérieur de vos joues, mais sans avaler votre salive, et essayer d'en avoir le plus possible. Si à un moment vous sentez que c'est bon, vous avez récupéré beaucoup d'ADN ou que là sur le coup vous n'allez pas pouvoir avoir plus de salive, et ben c'est simple, vous prenez votre verre et c'est la partie un peu crado, hein, mais vous avez prévu, ça risquait d'être un peu crado, ben vous crachez dans votre verre. Tout ce que vous avez dans votre bouche, vous crachez dans votre verre et vous le mettez dans votre récipient. Et ça, ce sera notre ingrédient de base, d'accord? Alors, ok. Voilà, donc Paul, quand il le veut, quand il pense qu'il a bien gratté à l'intérieur de ses joues, il crache dans son verre. Et on peut réitérer l'expérience plusieurs fois, c'est-à-dire que vous grattez à l'intérieur, vous crachez dans votre verre. Et ensuite, ben, on recommence 2-3 fois. L'idée, c'est d'avoir quand même au fond un petit fond de liquide qui contient ben, nos cellules et notre ADN. Alors, il y a Illusion qui me pose la question des cheveux. 3, 2, 1, Paul crache, ça y est, on l'observe en direct cracher, ça y est, il a craché. Et ça se voit que j'ai mangé du chocolat tout à l'heure. Alors, juste pour répondre à la question d'Illusion pour les cheveux, en fait, les cheveux, tu as raison, c'est produit par notre corps, donc ce sont des cellules, des anciennes cellules, mais en fait, les cheveux, ce sont des cellules qu'on pourrait dire qui sont mortes et qui ne contiennent plus d'ADN. Parce que maintenant, si on les coupe, ça pose plus c'est pas des molécules très intéressantes. Donc, si on prend les cheveux, bah en fait, il n'y a pas d'ADN dans les cheveux. Donc, en fait, ça ne sert à rien. Vas-y. Autre chose aussi, les cellules, je crois, hein, en tout cas, on pourra peut-être demander pour vérifier, mais les cellules qu'on récupère à l'intérieur de la bouche sont beaucoup plus fragiles que des cellules qui seraient à la base des cheveux. Ou même, on pourrait aussi prendre des bouts de peau, mais la peau, c'est très résistant. Donc, pour les éclater après, ce serait beaucoup plus dur que ce qu'on fait quand on récupère avec des cellules qui viennent de la bouche. Exactement. Est-ce que tu souhaites, Paul, continuer à récupérer des cellules ou tu penses que c'est bon? Alors, je ne vais pas me regratter parce que là, j'en ai plein. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est prendre un petit verre d'eau et me rincer la bouche avec pour récupérer tout ce que je n'ai pas craché, mais que j'ai quand même arraché. Ok, on te laisse faire. Voilà, comme ça. Du coup, s'il y a encore des cellules qui vont arracher, ce ne sera pas dans l'eau qui vient de la salive, mais ce n'est pas grave, ça vient de l'eau quand même que vous aurez mis dans votre bouche. Et dans l'eau, c'est tout simple, vous l'aurez craché. Donc là, normalement, qu'est-ce que vous avez à cette étape dans votre récipient? Tu nous montres, Paul. Un récipient. Magnifique verre de bave. Voilà, un verre de bave, un petit peu mousseux. Légèrement chocolaté. Mais légèrement. Ça, c'est que chez moi. Voilà, alors... La deuxième étape, vous l'avez sans doute compris, on va devoir éclater nos cellules et éclater nos noyaux. On a envie de faire sortir tout le contenu qu'il y a à l'intérieur de nos cellules. Tout l'ADN pour pouvoir le récupérer. Là, il est prisonnier à l'intérieur de cellules. D'accord? Et là, pour faire ça, on va utiliser un deuxième ingrédient que vous avez préparé, c'est le produit vaisselle. Le produit vaisselle, c'est ça qui va nous permettre de casser nos cellules, parce que nos cellules sont grasses, les membranes de nos cellules sont grasses, vous le rappelez. Donc là, ce que vous allez faire, c'est mettre quelques gouttes de produit vaisselle, un petit peu. On peut y aller, on en met un petit peu, pas beaucoup. Et surtout, là, c'est un petit peu délicat, il va falloir remuer
avec sa petite cuillère ou l'outil pour mélanger. Doucement, l'idée c'est de ne pas faire de bulles, mais de bien mélanger le produit vaisselle et de rendre le mélange complètement homogène. Donc on y va, on mélange. Alors, il y en a qui disent que c'est Burke. Oui, effectivement, on avait prévenu que c'était une manip un petit peu sale. Et on me demande pour les légumes, on les écrase pour extraire l'ADN. Bah, exactement, pour les légumes, on va essayer d'abord d'écraser les cellules. Mais là, comme vous l'avez vu, toutes les cellules, elles sont déjà dans du liquide. On n'a pas besoin de les écraser plus. Et donc, on utilise le produit vaisselle pour casser les membranes. Et surtout, une des grandes... Là, je vais remettre ma tête, disons. Une des grandes utilités d'écraser les légumes avant de faire cette même manip, c'est que bah, quand on écrase les morceaux de légumes, on disperse les cellules partout. Et donc, pour la suite de la manip, si on balance du liquide vaisselle dessus, on va éclater toutes les cellules au lieu d'éclater que les cellules qui sont au bord du morceau de légumes. Donc, c'est beaucoup plus efficace. Exactement. L'objectif de l'écrasement de légumes, c'est de décoller les cellules qui sont bien collées entre elles. Et ensuite, on met quand même du produit vaisselle. Donc, on nous demande c'est quoi cette histoire de légumes, et c'est une bonne question de Dessera parce qu'on ne parlait pas de légumes jusque-là. C'est juste que dans le chat, des personnes parlent du fait qu'on peut faire aussi cette manip avec des fruits et des légumes. Et c'est vrai, là on le fait avec des cellules humaines, mais on pourrait le faire aussi en prenant des légumes et en les écrasant, puisque dans les légumes aussi, il y a des cellules et il y a de l'ADN. Et on vous mettra en lien dans les ressources qu'on vous donnera enfin qui sont déjà là en dessous de la vidéo. Alors, on vous a mis un lien vers une vidéo où dans une chaîne YouTube qui s'appelle Biologie tout compris, où Tania Louis refait exactement la même expérience mais avec une banane. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, Isem9 qui nous dit, c'est le moment du sel. Eh bien, oui, exactement, c'est le moment du sel. Alors, ce qu'il faut faire, c'est rajouter une petite pincée de sel au mélange. Un petit peu, ça suffit. Voilà, on peut en mettre dans sa main, dans le creux de sa main, un tout petit peu. Et ensuite, avec son autre main, on va rajouter cette pincée de sel dans notre mélange. Et pareil que tout à l'heure, avec la petite cuillère, vous êtes invité à mélanger à nouveau doucement. L'objectif, ce n'est pas de faire mousser, mais c'est bien de dissoudre le sel et faire que le sel, bah, il se mélange avec le liquide au lieu de rester sous sa forme cristalline, un peu comme quand on met du sucre dans un café. Le sucre, il se dissout, il se mélange. Bah là, c'est pareil. On va mélanger doucement pour que le sel, il puisse se mélanger au mélange. Donc là, pour l'instant, pour rappeler les étapes, on est en train de faire la manip d'extraire son propre ADN. Donc, on s'est gratté l'intérieur de la bouche pour pouvoir récupérer un maximum de cellules. Ensuite, on a rajouté un petit peu de produit vaisselle pour éclater les cellules, éclater les membranes. Et là, on rajoute du sel. On me demande à quoi sert le sel. Bah, c'est une très bonne question. Le sel va servir à plusieurs choses, en fait. Il va servir à se coller à tous les débris des cellules pour pouvoir les faire se compacter et les éliminer un petit peu de notre mélange. Et en plus de ça, il va faciliter le fait que les brins d'ADN, les molécules d'ADN, elles se rassemblent ensemble dans notre mélange. Donc, une fois qu'on va vouloir complètement les voir, elles seront plus faciles à être visibles puisqu'elles auront été rassemblées ensemble à l'aide du sel. Alors, on arrive à la dernière étape. Et c'est l'étape un petit peu plus délicate puisque c'est l'étape qui implique l'alcool. Alors, notre objectif, ça va être de rajouter l'alcool sur le mélange tout doucement et tout délicatement parce qu'on ne veut pas, par exemple, quand on met du sirop et de l'eau, et qu'on rajoute l'eau, on ne veut pas que tout se mélange ensemble. On veut garder un petit peu nos deux phases. On veut avoir dessous notre mélange un peu crado avec notre produit vaisselle, notre crachat, notre ADN, etc. Et au-dessus, une phase avec l'alcool. Et donc, Paul, il va vous montrer la technique. La technique, ça va être... Vas-y, ouais, je te laisse la parler. La technique, ça va être de ne pas verser ça comme un bourrin là directement, de pencher le verre sans renverser. Hein, si vous renversez... Depuis qu'elle tourne commencé, vous avez sali votre table, de pencher la bouteille et de verser très lentement, très, 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 très lentement, l'alcool qui coule le long du verre et qui ne se mélange pas au reste. Du coup, l'alcool, s'il ne se mélange pas au reste, il va rester au-dessus. Alors, je vais le faire. J'espère que vous allez voir un peu. Je fais que l'alcool tout doucement.
Là, je le fais même déjà couler trop vite. Voilà, donc on y va tout doucement. Alors, l'alcool à brûler de Paul est jaune, c'est pour ça que vous voyez cette face jaune. Normalement, si votre alcool il est blanc, il est transparent, et ben vous allez avoir une face très transparente sur le dessus, voilà, qui se superpose sur la face où vous aviez en premier lieu. Alors, moi, je vais en mettre un peu beaucoup. Il n'y a pas besoin d'en mettre autant, mais c'est pour qu'on voit mieux à la caméra après quand je vous montrerai. Mais vous, chez vous, comme vous le verrez bien, parce que c'est juste devant vous, vous n'avez pas besoin de mettre autant d'alcool que ce que je viens de faire. Hop là. Et en fait, il se trouve que l'ADN, ça n'aime pas trop l'alcool. Ça n'aime pas trop, surtout, être mélangé à l'alcool. L'alcool, on dit qu'il fait précipiter l'ADN. C'est-à-dire que s'il y a de l'ADN quelque part qui se retrouve en contact d'alcool, au lieu de rester sous forme invisible dans un mélange, il va devenir visible et il va devenir complètement solide. Et normalement, si vous avez bien suivi toutes les étapes, vous devriez voir un petit peu ce qu'on voit dans le verre de Paul. Alors, il y a Louise Réau, je ne sais pas comment le prononcer, Louise Réau qui nous demande c'est quoi les proportions. C'est une bonne question. On n'a pas vraiment de formule précise. Il faut juste qu'il y ait vraiment... Il faut juste que la phase d'alcool qui flotte au-dessus, tu la vois bien. Si elle est trop grande, c'est pas grave. Si elle est trop petite et que vraiment tu la vois pas très bien, il faut remettre de l'alcool. Il faut qu'il y ait au moins 1 ou 2 cm minimum d'alcool au-dessus de tout. Voilà. Alors, si ça sent l'eau alcoolique, oui, bah c'est normal, hein, l'alcool, ça a une odeur. Mais regardons maintenant ce qu'on voit dans le verre de Paul. Dans la partie jaune, donc la partie qui est l'alcool, on voit des petits filaments. Okay, j'essaye de vous éclairer. Alors, voilà. Là, on voit un petit peu, on voit bien. Le truc qui ressemble à un genre de méduse blanc qui est remonté à la surface, d'accord ? Eh bien, c'est exactement l'ADN de Paul. Donc, ouais, Paul, c'était mieux quand tu éclairais par le bas. Je fais des tests. Voilà, là, c'est super. On voit bien. Et donc, ça, ces petites méduses blanches, eh bien, c'est l'ADN de Paul. Voilà. Donc, continue. Ah. Chez vous, c'est possible que si vous étiez en train de faire aussi l'expérience, vous ayez en ce moment, vous soyez en train de... voir ceci, ces petits filaments blancs qui flottent. N'hésitez pas, alors on commence à nous poser des questions dessus et on va y répondre. N'hésitez pas, alors oui, on nous dit Berk, c'est vrai que c'est un peu cracra, mais ça on avait prévenu. N'hésitez pas à nous envoyer des photos de vos expériences et à nous les envoyer à l'adresse mail confinetascience@gmail.com. Et si on peut, on essaiera peut-être même de les montrer d'ici la fin du live, ou sinon on les mettra. On les partagera en lien dans les ressources qu'on vous partage, dans le Padlet qu'on vous mettra en lien aussi. Alors, ouais, on va mettre une photo qui va rester à l'écran pour que vous puissiez bien voir. Et Paul, je pense que tu peux remonter ta caméra pour qu'on voit ta tête à nouveau. Voilà. Voilà. Alors, sur la photo qu'on voit, c'est moi qui l'ai fait hier soir et mon alcool, il est transparent. Donc, il n'y a pas de face jaune. Mais par contre, on voit aussi les petits filaments blancs qui forment ces petites méduses qui sont les molécules d'ADN. Il y a l'Ariège qui nous dit que ça fait une montagne. Alors, c'est bien, ça veut dire que tu dois avoir beaucoup d'ADN. Mais donc, c'est bien, si tu vois quelque chose, c'est que ça marche. Lyon demande si on peut répondre à sa question. Elle a dû remonter un peu haut, je veux bien que tu la reposes. Et Vincent nous demande si on peut cloner avec. Alors ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'on peut récupérer cet ADN et l'utiliser pour faire des clones? Je pense que cette question, on va peut-être la garder pour la fin, quand un chercheur va venir, quand Théo va venir pour vous parler de ce qui se fait vraiment dans les laboratoires. Mais très bonne question de Vincent. Et Illusion, alors ta question c'était... Oui, mais en fait, comme j'ai mis du torchon partout, j'ai du mal à... Sinon, en attendant, on a une autre question de Del Serra qui dit « J'aimerais comprendre pourquoi vous avez dit que l'ADN n'aimait pas l'alcool, ça le faisait précipiter, et donc pourquoi ça ne se précipite pas loin de la phase d'alcool et irait donc dans la phase aqueuse ?» Eh bien, c'est une excellente question.
Et c'est une question que bah, je ne sais pas trop pourquoi, effectivement. En tout cas, cette question, on la posera à Théo qui viendra, qui est chercheur et qui extrait de l'ADN et qui, je pense, pourra répondre à cette question dans la dernière phase. Alors, l'adresse mail, c'est confintascience@gmail.com. On va la repartager dans le chat. Et pour finir, donc illusion, ta question, c'est le pH d'acidité du corps. Et je ne sais pas ce que c'est le pH d'acidité d'un corps normal, d'un corps humain. Ça dé... Ben, je peux plus répondre très différent que globalement. En fait, le pH du corps, eh ben, ça dépend des organes et ça dépend des endroits du corps humain. Généralement, on peut dire qu'on est un pH plus ou moins neutre, autour de 7, 7,2. Mais après, on a des organes qui sont beaucoup plus acides, par exemple comme l'estomac. Le pH de l'estomac, ça va être 2, 3. Et ça, c'est très utile pour digérer les aliments qu'on mange. Et donc, en fait, en fonction des organes et en fonction des besoins, eh ben, le pH de ces organes va changer. On n'a pas le même pH partout dans le corps humain. Ah, on a des images. On a des images qui arrivent sur l'adresse mail et c'est super. On va voir pour les intégrer à la présentation. Ah oui, on a, alors, je vois les images, pas vous, je pense, pas encore. Mais effectivement, il y a des très très belles photos de très très belles manips qui ont très très bien réussi. On voit plein d'ADN. Est-ce qu'on passe à la phase où on accueille Oui, on un va du chercheur? coup passer à la dernière phase. En fait, juste pour Oui. résumer tout ce qu'on vient de faire. Donc, on vient de faire une extraction d'ADN et on voit l'ADN qui flotte dans le haut des verres dans lequel on a fait notre manip. Donc là, on a fait toute l'expérience. On vous montrera à la fin les photos de celles et ceux qui nous l'ont envoyé et pour qui ça a marché. Si vous n'avez pas réussi chez vous, n'hésitez pas à le refaire après, plus tard, ce soir, demain. Il n'y a pas de raison de rester sur un échec. Et là, on va pouvoir accueillir Théo. Théo, qui bah, se présentera et vous dira exactement qui il est et ce qu'il fait. Mais en tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est un Bonjour chercheur à et qu'il tous. travaille, il fait des recherches qui sont en lien avec l'ADN. Et donc, il peut être amené à le manipuler. Il va pouvoir vous dire ce qui se fait en vrai dans un laboratoire et pas à l'arrache devant un ordinateur, sur un bureau, en live, sur Twitch. Comment on fait pour. Jouer avec de l'ADN dans un vrai labo. Bonjour Théo. Bonjour. Alors, juste avant, je précise que Théo et moi, Théo est mon mari, donc, et nous sommes confinés ensemble, alors pas de commentaires là-dessus, il n'y a pas de souci, tout va bien, nous sommes confinés ensemble. Alors, bah Théo, déjà, est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais? Et puis bah, là, on est en train d'être bombardé de questions et c'est cool parce qu'on va pouvoir te les poser. Ok. Bon, bah alors, bonjour à tous. Je suis Théo Bras, donc je suis doctorant en seconde année de thèse. Et j'ai une formation en fait de biochimiste, autant structurale que fonctionnelle. Et aujourd'hui, du coup, j'utilise ces compétences dans un laboratoire de chimie analytique. Alors juste une question, qu'est-ce que ça veut dire biochimiste structural et fonctionnel? Alors, biochimiste, en fait, c'est les personnes qui vont étudier les interactions entre les molécules dans le vivant. Et D'accord. du coup, structural et fonctionnel, c'est les deux aspects qu'on peut donner aux molécules, entre guillemets. La structure, c'est leur organisation dans l'espace et la façon dont elles vont interagir de manière physico-chimique. Et fonctionnel, ça va être l'activité qui va être associée à cette structure. D'accord, donc tu étudies soit comment les molécules qui sont dans le corps se structurent, donc comment elles se plient, comment elles sont, quelles formes elles ont, etc. Exactement. Soit comment elles fonctionnent. D'accord. C'est ça. Très bien. Voilà. Alors, et ben, déjà peut-être première question, avant de poser toutes les questions qui sont déjà sur le chat, est-ce que ce qu'on vient de faire, ça a un rapport avec le genre de manip qu'on peut faire dans un vrai labo? Est-ce que ça se fait aussi d'extraire de l'ADN comme ça, ou comment on fait? Alors, dans un vrai laboratoire, on ne va pas extraire l'ADN de cette façon-là exactement. Par contre, tous les processus et la logique en fait derrière cette extraction, c'est exactement la même qu'on utilise en laboratoire. D'accord, En donc gros, les produits ne sont pas les mêmes, mais la ouais, logique est la même. c'est ça. Ce qu'on va vouloir en laboratoire, c'est obtenir des puretés. Et de l'ADN de bonne qualité, c'est-à-dire des longs brins qui ne se sont pas brisés, et ainsi de suite. Donc, on va utiliser des molécules, des composants qui vont permettre d'avoir une extraction d'une meilleure qualité. Sinon, la philosophie d'extraction, c'est la même. D'accord.
Alors, je vais peut-être commencer à te poser des questions qui sont sur le chat. On nous demande qu'est-ce qu'on peut faire avec cet ADN-là? Là, il y a des gens qui nous demandent, très bien, cool, on nous dit qu'il y a de l'ADN dans le verre. Est-ce qu'on peut le récupérer et faire quelque chose avec? Alors, avec celui-là, oui, on pourrait le récupérer et faire des choses avec. Je pense pas qu'on puisse faire des choses extraordinaires, mais il doit y avoir des études sympas à faire, notamment sur des processus de dégradation ou autre. Mais tout simplement, avec une grande quantité d'ADN qu'on aurait dans ce verre, on pourrait tout simplement arriver à faire des séquençages là-dessus et recomposer, par exemple, le génome de la personne. Alors, il faudra une quantité importante pour arriver à avoir un génome de bonne qualité, mais on pourrait avoir une ébauche décente. D'accord, donc théoriquement, déjà, rien qu'avec cet ADN qu'on a extrait comme ça, on pourrait le récupérer, par exemple, je prends une petite baguette ou un coton-tige, je l'envoie à un labo, ou je le donne à quelqu'un qui travaille dans un laboratoire, et il serait capable de le lire, de le séquencer, donc de dire quel est le code de mon ADN à moi. Oui. Alors, par contre, il faudra savoir qu'avec cette méthode d'extraction-là, la qualité donc, de la lecture, elle ne sera pas extraordinaire. C'est-à-dire, c'est comme si on avait un livre et qu'il manquait des pages un petit peu partout. Mais par contre, on aura globalement le livre avec l'histoire presque entière. C'est juste qu'elle sera incomplète. D'accord. Donc, l'ADN ne sera pas complètement, parfaitement lisible, mais dans les grandes lignes, on a déjà, ça marche déjà pas mal. On nous demande, est-ce qu'on peut nous cloner avec ça? Alors, avec ça, là, aucune chance. D'accord. Donc, désolé, Vincent78670, tu ne peux pas te faire cloner avec ce qui flotte dans ton verre. Peut-être c'est rassurant, en fait, hein, d'ailleurs. on nous demande, est-ce que Pimous1976 nous demande si ce qui flotte, là, dans le verre, est vivant? Alors, je pense pas que ce qui flotte encore dans ton verre soit vivant pour deux raisons. Tu as utilisé un détergent qui va liser tes cellules. Et en fait, l'éthanol a aussi une fonction de lise et de destruction du champ. Donc en fait, tu utilises deux produits qui ont des activités biocides. D'accord. Donc ça et ça, c'est ça, hein, c'est les deux trucs. Ça tue ce qui est vivant. Donc a priori, il y en a tellement là-dedans que tout ce qui était vivant est mort. C'est ça. D'accord. Donc ça n'est plus vivant. On nous demande aussi... comment on peut faire pour cloner des mammouths? Alors ça, du coup, c'est une autre question sur le clonage. Si jamais tu sais comment faire pour cloner un mammouth. Ouais. Bah, pour cloner un mammouth, donc théoriquement, hein, parce que ça n'a pas été réussi, ce qu'il faudrait, c'est avoir la séquence génétique du mammouth entière, connaître les différents chromosomes qu'il a. Ensuite, on a deux possibilités. Ou on arrive à amplifier ces chromosomes par les techniques d'amplification de l'ADN qu'on a en laboratoire, où on resynthétise totalement ces chromosomes, parce que c'est des séries de paires de base. Une fois qu'on a ça, il faudrait utiliser donc, du sperme et des ovules d'éléphants, qui sont les animaux les plus proches du mammouth à l'heure actuelle encore présents, enlever leur ADN, le remplacer par celui du mammouth, et ensuite féconder une femelle éléphant pour donner naissance aux petits. Bon, il y a quand même beaucoup de challenges à résoudre dans une telle opération, donc... Aujourd'hui, on n'arrive pas à... Pourquoi c'est si challengeant? Alors, la partie la plus compliquée, ça va être en fait la partie d'embryogenèse et de réaliser le début de la gestation et la gestation entière chez l'éléphant. Pour l'instant, lié à beaucoup de thématiques en fait et de questions éthiques, l'embryogenèse... L'embryogenèse, c'est le développement d'un embryon. Oui. L'embryogenèse, c'est quelque chose qui a beaucoup de barrières. Qu'on peut comprendre, puisqu'on touche en fait au début de la génération d'un être vivant, en fait, qui font que c'est très étudié, très encadré. Pour l'instant, chez les mammifères, notamment chez les gros mammifères, on a des difficultés à passer les premières étapes d'embryogenèse, et ensuite, une fois, par exemple, dans le ventre de la mère, à permettre à l'embryon ou au fœtus de continuer à vivre. Et là, en plus, on a une barrière d'espèces différentes, c'est-à-dire que, normalement, la mère et l'enfant vont interagir ensemble. Et il se peut qu'il y ait des réactions immunes de la mère vis-à-vis de l'enfant dont elle est gestante. Donc quand on a deux espèces différentes, il se peut qu'il y ait des réactions immunes de la mère sur le fœtus ou l'embryon et qu'elle le tue. Donc ça, c'est aussi un challenge supplémentaire si on voudrait cloner un mammouth. Alors juste, on a une petite question. On a dit tout à l'heure, liser une cellule. Qu'est-ce que ça veut dire, liser une cellule, tout simplement?
Alors lyser, Il ça sait va que juste être ça lyse des détruire cellules. et rendre soluble. D'accord, donc ça les dissout, quoi, en gros. C'est ça. D'accord, donc en gros, lyser une cellule, c'est-à-dire la dissoudre et du coup la tuer, je suppose. Casser sa membrane, en fait. C'est ça. On nous demande aussi, est-ce qu'avec cet ADN-là, qu'on pourrait donc faire séquencer, tu nous dis, on pourrait savoir la couleur des yeux. Là, si je le donne, est-ce qu'on peut savoir la couleur de mes yeux? Alors, si justement les séquences qui codent pour la couleur des yeux sont suffisamment de bonne qualité, oui. Après, je ne sais pas le nombre de gènes qui sont impliqués là-dedans, donc je ne saurais pas du tout dire à quel point ce serait évident ou D'accord. pas de trouver Donc cette information. faudrait connaître quelqu'un qui est un peu spécialiste en. Faudrait Ouais. demander à quelqu'un qui est spécialiste en quels sont les gènes qui disent la couleur des yeux et il pourra plus facilement répondre à cette question. Et donc on nous demande de façon générale, est-ce qu'on peut faire un portrait robot d'une personne à partir d'une petite quantité d'ADN? Absolument pas. Absolument pas. Pourquoi? Pourquoi? Alors, en fait, les interactions entre les gènes, elle est très 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 compliquée. Beaucoup de gènes interagissent les uns avec les autres pour donner notre phénotype. Notre phénotype, c'est la façon dont on existe, c'est nous entièrement. Et à l'heure actuelle, on a du mal à déchiffrer toutes les interactions et tous les gènes qui codent pour chacun des traits qui codent pour un humain, par exemple. Notamment qu'en plus, enfin, d'autant plus qu'il n'y a pas que l'ADN qui va déterminer notre phénotype, mais il y a aussi l'interaction avec notre environnement qui va modeler l'expression des gènes, et ainsi de suite. Donc il y a d'autres paramètres qu'on ne peut pas obtenir juste avec l'ADN. D'accord, donc c'est beaucoup plus compliqué que ça. Très bien. On a encore deux petites questions qui traînent. D'abord, j'ai une question qui. Bon, on va d'abord poser la plus récente. Il y a une question sur. Puisqu'on a parlé de clonage de mammouth, on nous a demandé aussi les clonages de moutons. Donc, ça, du coup, ça, c'est plus facile que de cloner un mammouth Alors, oui, ça va être plus facile pour la simple et bonne raison que pour le mouton, on a l'espèce qui est encore vivante. Et du coup, l'idée, ce sera juste de remplacer l'ADN d'un spermatozoïde ou d'une ovule, ou des deux, et de les insérer par insémination artificielle dans une femelle. Donc là, pour le coup, il y a beaucoup moins de choses compliquées, puisque tout va pouvoir se passer, en fait, comme si on faisait, entre guillemets, hein, donner naissance à un mouton naturel. D'accord. Et donc tout de suite, je réponds, je repose la question de Plinius 1976 qui réagit en disant et c'est autorisé de cloner des animaux. Il me semble qu'en Corée du Sud, on peut cloner son chien. D'accord. Et en France, on peut faire des choses Je ou crois pas qu'en France ce soit non? possible, mais je crois qu'on peut acheter son chien cloné en Corée du Sud. En fait, là, la seule barrière, c'est la barrière éthique, de ce qu'il me semble. C'est-à-dire que chaque pays, met des règles et des lois bioéthiques qui disent ce qui nous semble juste et correct de faire en termes de manipulation du vivant. Et en France, il est interdit de cloner des êtres vivants, des mammifères. En tout cas, on peut le faire, mais on peut pas laisser se développer on n'a pas le droit de laisser se développer les embryons au-delà d'une certaine date. Alors que dans d'autres pays, puisque biologiquement c'est totalement possible de le faire sur une espèce encore en vie, alors là, eh ben, d'autres pays n'ont pas les mêmes règles éthiques comme la Corée, et donc on peut cloner son chien en Corée. Donc ça, c'est vraiment propre à chaque pays en fait. Et du coup, une nouvelle question, est-ce qu'on peut cloner des plantes? On a le droit? Oui, cloner des plantes, on a le droit, et en fait, c'est extrêmement simple, il n'y a pas besoin d'ADN. Ce qu'on appelle une bouture, classiquement, c'est du clonage. D'accord, donc en fait les plantes se clonent déjà tellement Voilà. facilement qu'on ne va pas se mettre à l'autoriser ou pas. Bon, de toute façon, Exactement. ok. C'est utilisé depuis. Alors, on nous Alors. demande alors deux choses. On nous a demandé tout au début s'il y avait des êtres vivants à ARN. Donc là, il y a quelqu'un qui nous a parlé Alors. d'ARN. Au début, c'était Mirabel Oui. 2410 qui nous demande si. Alors déjà, qu'est-ce que c'est l'ARN? Et est-ce qu'on peut avoir des êtres vivants à ARN? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ok, alors qu'est-ce que c'est l'ARN? Donc l'ARN, c'est un polymère de même type que l'ADN en fait, à la différence que on va remplacer le désoxyribose par du ribose. En gros, ça va être la même structure, mais avec Donc c'est un un peu nom comme de OH. l'ADN, mais on a un petit peu modifié la molécule, C'est ça. mais globalement c'est à peu près pareil. Exactement. D'accord. Sauf que l'ARN a une seconde différence, c'est qu'il est simple brin. Donc, il n'a pas cette structure double hélice. Et globalement, dans un être vivant classique, l'ARN, c'est de l'ADN, en fait, qui va être traduit par une enzyme
particulière et qui ensuite va être transformée en protéine. D'accord. Voilà. Donc l'ARN, c'est quelque chose qui sert vraiment à glu et à être transformé en protéine. L'ADN, c'est là qu'il y a l'information qui est stockée et qui reste. D'accord. En gros, ouais. Donc tous les êtres vivants sont ARN, en fait. Et pour ce qui est du coronavirus, c'est un virus, ce qui veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on considère que les virus ne sont pas des êtres vivants. Ça peut se débattre, mais si on regarde la classification des espèces telle qu'elle est acceptée aujourd'hui, les virus ne sont pas des êtres vivants. Alors, donc en fait, ARN, juste ARN sans ADN, il n'y a pas d'être vivant comme ça. D'accord, donc il n'y a pas d'être vivant juste pour l'instant. Et dernière question, parce qu'il est 17h30, donc on arrive à la fin de ce live. Dernière question, bah, puisque tu parlais de double hélice, justement, tu as mentionné l'existence de double hélice, on nous demande aussi, est-ce qu'avec une très grosse... Alors, déjà, qu'est-ce que c'est que cette histoire de double hélice? Alors, pour ceux qui se demandent, c'est parce que la molécule d'ADN, si on la regardait avec un microscope extrêmement puissant, on verrait qu'elle a une forme de double hélice. Elle est un peu... souvent, on voit ce genre d'image. Hop là, on voit que c'est comme ça qu'on la représente. On nous demande, est-ce qu'avec une grosse loupe, on pourrait voir là, sur cet ADN, la double hélice, donc la forme de la molécule? Alors, avec une très grosse loupe, on n'en serait pas capable, puisque le fait d'utiliser des lentilles, ça permettra jamais en fait, d'aller assez... d'aller voir des choses qui sont aussi petites. Par contre, il y a d'autres stratégies qui sont utilisées qui permettent justement de voir cette double hélice. Avec cet ADN-là, je ne sais pas, mais avec de l'ADN plus pur, oui. Il y a deux techniques qui pourraient permettre de le faire. Donc c'est une technique qui combine cristallisation et diffraction au rayon X. Et la seconde, c'est une stratégie qui est un peu plus récente et qui marche bien, c'est la microscopie électronique à transmission. C'est des techniques peut-être un petit peu compliquées. Pour donc en gros, on ne peut pas trop faire ça dans son salon. Il faut quand même du matériel de labo, quoi, professionnel. C'est ça. Très bien. Je sais qu'il y a d'autres questions qui continuent à arriver, mais on va devoir s'arrêter là. Mais il n'y a pas de souci, vous pouvez quand même nous les envoyer. Et ce qu'on vous propose de faire, c'est que même si on n'a pas pu répondre pendant le live aux questions, si elles ne sont pas trop nombreuses, on les mettra... On vous répondra peut-être par mail, on vous mettra des liens dans les ressources qu'on va vous partager. Donc, on arrive à la fin. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on aura fini, on va vous faire défiler les photos que vous nous avez envoyées. Comme ça, si vous voulez voir les œuvres de toutes les personnes qui nous ont suivies pendant ce live, ça sera l'occasion de vous voir une espèce de collection d'ADN magnifique. Hein. J'ai vu les photos défiler pendant ce temps-là, et elles sont superbes. Qu'est-ce que je voulais vous dire Je suis juste, moi, pour qu'on réponde à la question de pourquoi ça précipite dans l'alcool qu'on a dit qu'on répondrait tout à l'heure. Désolée, Paul. Un petit bonus. Pourquoi ça précipite dans l'alcool et pas dans l'eau? Alors, déjà, dans votre mélange, vous avez très peu d'eau. Vous avez un détergent et de l'alcool. Donc ça, c'est la première chose à laquelle il faut penser, c'est que vous n'avez pas vraiment de l'eau dans votre mélange. Et si vous avez de l'eau, il va plutôt être dans la phase alcoolique que dans la phase avec le savon. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, si vous avez remarqué, votre ADN, il monte et il a tendance à se positionner entre l'air et la partie alcoolique. Ça, c'est la seconde. Donc, si on résume, on a une phase alcoolique et une phase constituée majoritairement d'un détergent. Ce qu'il y a, c'est que l'affinité de l'ADN, il va être principalement, si on compare entre le détergent et la partie donc éthanolique, pour la partie éthanolique. C'est pour ça qu'il va monter, en fait. D'accord. L'ADN est plus stable, enfin, en tout cas, va dans la phase de l'alcool. Parce qu'il n'y a pas d'eau, en fait, dans cette extraction, et que s'il y avait de l'eau, elle irait dans la phase alcoolique. D'accord. Parce que tout ce qui... Même l'eau est attirée de l'eau. Très bien. Bon, allez, on va répondre à la question de Vincent, 78-670, parce que ça fait à peu près 8 fois qu'il la pose et qu'il a suffisamment insisté pour qu'on réponde à sa question. Il paraît qu'on a mélangé l'ADN d'un humain et d'un singe, c'est vrai? Alors, je ne sais pas si c'est vrai, mais en fait, vu que l'homme est un singe, ce serait fortement probable qu'on n'ait pas besoin de mélanger, en fait. Ça veut dire quoi, cette réponse? C'est-à-dire qu'il est tout seul?
Alors, si on regarde la classification des espèces, les singes, en fait, c'est une grande famille. Ce que vous avez fait lundi, ce que vous avez présenté, en fait, les singes, c'est une grande famille dans la classification du vivant. Il se trouve que l'homme se situe dans ces branches-là. D'accord, donc déjà la première réponse c'est que comme l'homme est un singe, c'est une espèce de singe, bon bah il y a déjà plein d'ADN de singe dans l'ADN de l'homme, ou de la femme, Exactement. de l'espèce humaine. D'accord. Très bien. Et bien, puisque la question est posée, moi je rajouterai dans les liens que qu'on va vous envoyer dans un mail après cette animation, un lien vers une forme que j'ai vu une vidéo qui en parle. Donc bah, vous pourrez vous faire votre avis en regardant cette vidéo de Dirty Biology. On va s'arrêter là. Alors, juste une petite précision avant de terminer. On va envoyer un mail qui va vous donner des liens vers, si vous voulez aller plus loin, voir des vidéos qui expliquent plein de choses sur l'ADN et qui reprend un peu tout ce qu'on vient de dire. Si ça vous intéresse de recevoir ce mail, n'hésitez pas. Alors, si vous vous êtes inscrit, on a déjà votre adresse mail, donc vous recevrez ce mail. Si vous avez suivi ce live sans être inscrit, ce n'est pas du tout interdit, mais par contre, si vous voulez aussi recevoir ce mail avec des ressources supplémentaires, ben, inscrivez-vous même maintenant, ou en tout cas envoyez un mail à confinitascience@gmail.com pour qu'on vous transfère ce mail et que vous ne soyez pas privé, ce serait quand même beaucoup trop triste. Dans ces ressources, vous avez une vidéo qui vous permet de refaire le protocole chez vous qu'on a fait là et qui explique aussi en détail à quoi sert chaque partie. Donc, ça vous permet de le refaire chez vous. Et vous avez aussi des articles et des vidéos qui vous permettent de comprendre d'autres choses dont on n'a pas parlé, mais qui vous permettent d'aller plus loin si vous avez envie. Voilà. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à renvoyer des questions. N'hésitez pas si vous avez des commentaires sur l'animation qu'on vient de faire à les mettre dans le chat ou à nous les envoyer par mail. On prend toutes les remarques et on fera attention. Si il y a des choses que vous voulez qu'on change ou s'il y a des choses qui vous ont plu, à les garder. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de Confinita Science. Alors vendredi, ça sera plutôt en comité réduit. Donc, je crois qu'on est déjà complet pour vendredi, malheureusement. Donc, soit vous êtes déjà inscrit et cool, vous allez pouvoir faire quelque chose avec nous, soit vous n'êtes pas déjà inscrit et, à mon avis, il n'y aura plus de place parce que ce sont des rencontres avec des chercheurs et des chercheuses en comité réduit. On est parti là. Par contre, prochain rendez-vous avec autant de monde que vous voulez lundi prochain, ça sera qui ça sera? Ça sera Arnaud et Maxime Maxime. qui vont vous faire une animation où vous allez. Alors, la semaine prochaine, le thème, ça sera le temps. Le temps dans la science et une animation où vous allez pouvoir bricoler des choses pour mesurer le temps vous-même. Et ce sera lundi à 16h30. Voilà, donc retrouvez-nous. Et si vous voulez avoir plus d'infos sur le matériel dont vous avez besoin, inscrivez-vous sur le site de l'ESPGG. Toutes les infos arriveront dès demain dans la journée. Et pour répondre à Pinous 1976, pourquoi en comité réduit vendredi? Parce qu'on voulait vraiment permettre que tout le monde puisse poser des questions, enfin qu'il y ait une vraie discussion avec des chercheurs et des chercheuses, et ça on peut faire qu'à 10, 12, après si on est 50, ça marche plus. Donc on a contacté plusieurs chercheurs, plusieurs chercheuses, on va faire des rendez-vous avec eux, mais malheureusement au bout d'un moment, bah, quand il n'y a plus de chercheurs et plus de chercheuses, il n'y a plus de rendez-vous possible. Voilà, on va tester en tout cas ça vendredi. En tout cas, merci beaucoup, à bientôt. Et... Merci, au revoir. Au revoir et on vous fait passer les photos de vos œuvres maintenant. 'on attend, là Arnaud est en train de vous afficher les photos. Rassurez-vous, elles arrivent. Si on est encore là, c'est pas nous qu'il faut regarder. Vous Je pouvez pense que on est dans patienter. un moment de malaise où on nous regarde, alors je pense qu'on est fini. C'est le live. Ouais. Ouais, les au revoir qui durent longtemps, c'est un peu malaisant. Alors, la technique arrive, hein, y a pas de Dans problème. L'oreillette, on nous dit attendez 2 secondes, ça arrive. Donc, si vous voulez les photos, elles sont en chemin. Ah, il paraît qu'elles sont là, voilà. Donc, vous en avez une première qui apparaît à l'écran, là. Par contre, on voit pas trop le bas de la photo, Arnaud. En fait... On nous entend toujours ou... Le micro est coupé. Je sais pas, j'ai coupé mon micro, ça m'entendra plus. Au revoir tout le monde. Voilà, c'est super là. On voit super bien dans cet alcool bleu la petite méduse d'ADN que vous avez extrait. Nouvelle photo.
où à nouveau on voit super bien la petite méduse d'ADN. Et voilà, c'est la fin de cette animation. Merci beaucoup d'avoir participé et très bonne fin d'après-midi et merci pour vos superbes photos. Très au bien, revoir. Pour la 18e fois, au revoir et à bientôt.